Pratiquement chaque 2 mois, on attaque le Bénin et sur les marchés financiers. Pourquoi un enchaînement d'emprunts ces dernières années? Le Bénin n'est-il pas dans un excès de dette publique? Si le monde entier se met d'accord pour saluer les efforts du Bénin, notamment le caractère sans précédent de la double émission d'Eurobond réalisée en début d'année, nombreux sont encore les Béninois qui s'alarment du niveau d'endettement du pays qui pourtant est loin d'inquiéter. On peut aller jusqu'à 70% de la richesse produite du PIB. On est autour de un peu moins de 45%. 45%, on peut aller jusqu'à 70%. Vous voyez, donc ça veut dire que nous sommes loin, alors là, très loin, d'approcher les seuils d'un pays qui est trop endetté. La nature de l'investissement, son opportunité, la gouvernance autour de l'utilisation de l'argent, la cohérence de la structuration financière. Quand tout ça est bon, la dette n'est qu'une très bonne chose. Le teneur des cordons de la bourse apporte toutes sortes de clarifications à ces jeunes qui veulent tout comprendre. Dès la fin de l'année passée, il y a un grand pays européen qui a émis ce qu'on appelle une dette perpétuelle à 1%. C'est-à-dire que les marchés lui ont donné de l'argent, c'est 100 milliards comme ça, à rembourser un jour. Et ça, c'est le summum du summum quand vous faites confiance. Vous payez juste des intérêts de l'ordre de 1%, toujours. Nous, là, avant 2016, on avait du mal à trouver du crédit à plus de 10 ans. On a franchi 10 ans. On a fait 20 ans. On a fait 31 ans. Quelqu'un qui vous connaît à peine, qui est prêt à vous laisser ses biens, son argent, à rembourser 30 ans, c'est qu'il vous fait confiance durablement. Le plus important, c'est que la pression soit soutenable. D'où la question de la soutenabilité, qui se mesure, entre autres, à sur 100 francs d'impôts collectés, combien vous consacrez au remboursement. Dès lors que la dépense publique est plus efficace pour augmenter la production, rien d'anormal d'accroître le rôle de l'État, l'emprunt étant un moyen commode d'y parvenir, l'argentier national, artisan premier de la restructuration de la dette de l'État, se sent d'ailleurs prêt à répéter les opérations tous les jours si cela lui était permis. Si les Africains ne se réveillent pas, et s'ils écoutent, et ils attendent que d'autres viennent faire le développement pour eux, on ne se développera pas. Il faut que ce soit dans nos têtes, ça. Et c'est pour ça que sans complexe, nous affrontons tous les marchés internationaux pour défendre le Bénin et montrer que notre modèle de développement vaut le coup. Quand bien même on sera à 70%, les grands pays développés aujourd'hui, à part les pays développés mais qui sont de grands pétroliers, je laisse le Golfe, Arabie Saoudite, etc. Mais tous les autres, ils sont à plus de 100% de taux de dette. Plus de 100%. Les États-Unis, 205%. Le Japon, j'en parle pas. Alors, quand vous avez des pays qui sont très développés, qui ont des taux de dette sur PIB, qui sont au-delà de 100, mais vous, vous êtes à ce niveau, et vous-même, si toi, vous commencez à crier, c'est trop, on peut revenir à la première question. On arrête de faire asphaltage, les hôpitaux, les écoles, et on fait petit, petit, petit. Le chef de l'État, dans sa tournée, vous a démontré qu'en 4 ans, on a construit plus de stades qu'on a fait en 60 ans d'indépendance. On peut revenir en arrière et faire un marché tous les 30 ans, une rue asphaltée tous les 10 ans. C'est ça que vous voulez? Une chose à ne pas perdre de vue, le recours à l'emprunt dépend aussi largement des garanties que l'emprunteur est en mesure d'offrir au prêteur. Et là, la question se déplace. La question qu'on devrait se poser, c'est à quoi servent nos dettes? On prend l'argent pour faire quoi? Et non, pourquoi on s'endette si tant? Au niveau individuel, si vous prenez un prêt, que vous allez faire une boutique, que vous allez investir dans quelque chose qui vous rapporte de l'argent, vous pouvez aller à 200 millions et si vous arrivez, la banque regarde si vous avez des activités qui vous permettent de payer. Ils vont vous donner 500 millions en plus. Le chef de l'État a dit, on ne prête qu'aux riches et c'est vrai. La démonstration de ce que le Bénin n'est pas surendetté, c'est le dernier coup dont on parle si tant. Si on était surendetté, est-ce que vous pensez sérieusement qu'on allait faire ce coup-là d'Eurobond et que dans le monde entier,
Les gens vont faire confiance à ce qu'on appelait le petit Bénin avec autant d'argent. On a parlé d'eurobond. Pour faire un eurobond, il faut rédiger ce qu'on appelle un prospectus. C'est un document qui est gros comme ça, dans lequel vous décrivez le pays en long et en large, mais surtout dans lequel vous dites ce que vous allez faire avec l'argent jusqu'au petit centime. Et quand vous revenez une deuxième fois pour demander de l'argent, ils vérifient ce que vous avez fait avec l'argent passé et si c'est conforme. Alors, chaque fois qu'on va et qu'on nous reprête, c'est qu'il y en a qui ont fait la vérification et qui se sont assurés que mais vraiment l'argent est bien géré. Donc, on doit plutôt se féliciter sur le fait qu'aujourd'hui, l'État du Bénin, nous allons sur tous les grands marchés. Des personnes qui ne connaissent même pas le Bénin, ils sont à Singapour, Hong Kong, Londres, New York, et ils nous prêtent de l'argent. Satisfaits et non plus inquiets, les participants à ces échanges encouragent déjà l'État à aller plus loin que possible. Suffisamment éclairé pour des profanes comme nous. Nous avons eu assez de matière ce soir. Je dirais que je sors de ces échanges-là assez instruite et confortable. Je me sens très bien aguerri parce que plusieurs points d'ombre qui traversaient ma pensée ont été levés ce soir. Je suis très content d'avoir participé à cette séance qui a renforcé encore le niveau de compréhension et qui a permis donc de renforcer également le niveau de compréhension de la plupart de nos participants. Mais puisque c'est bien géré, le constat est là, il y a de la tangibilité dans tout ce qui se fait. Donc, même si demain l'État va sur le marché financier pour lever encore d'autres fonds, c'est aussi normal. Serait-il exagéré de soutenir que l'économie contemporaine repose sur le crédit ? Nombreux sont quand même ces exemples dans le monde qui permettent de s'en convaincre. Du moins, de prendre la mesure d'un phénomène essentiel.